juge arbitre pour être plus précis, et Martina Hingis qui est en train de battre tous les records de précocité. Elle fut la plus jeune joueuse a remporté un titre du Grand Chelem. C'était en double à Wimbledon en 1996 aux côtés d'Elena Zoukova. La plus jeune joueuse aussi a remporté un titre dans un tournoi du Grand Chelem. C'était l'Open d'Australie il y a de cela tout juste un an avec une victoire face à Mary Pierce en deux manches 6-2, 6-2. Elle pourrait être la plus jeune à aligner deux victoires consécutives en Grand Chelem, consécutives dans le même tournoi bien évidemment. Car elle serait alors plus jeune que Monica Seles, qui en 1991 avait défendu son titre acquis en 90 à Roland-Garros et qui avait alors 17 ans, 6 mois, 6 jours. Ce record serait battu de 65 jours par Martina Hingis si elle l'emportait aujourd'hui face à Conchita Martinez, puisque la Suissesse est âgée de 17 ans, 4 mois et 1 journée. Début de l'échauffement. Il faudra pour Conchita Martinez rentrer rapidement dans cette finale, car face à elle, il y a quasiment ce que l'on pourrait appeler une joueuse d'échec exceptionnelle, celle qui pose ses pions systématiquement, Martina Hingis n'étant pas la plus puissante, mais celle qui joue assurément le coup le plus juste à chaque instant. Et de tout cela, Conchita Martinez devra s'arranger. Les deux femmes se sont rencontrées à 4 reprises sur le circuit, 2 victoires partout, mais les 2 derniers matchs remportés par la jeune Suissesse. Oui, c'est vrai, on peut penser que lorsque Conchita a battu Martina Hingis, celle-ci était bien entendu beaucoup plus jeune, plus inexpérimentée, ce qui est loin d'être le cas maintenant avec toutes ces finales jouées et gagnées pour la plupart par Martina Hingis. Alors c'est vrai qu'elle a, vous avez fait allusion à son sens tactique, elle possède pour cela un coup d'œil effectivement exceptionnel et une technique très simple qui lui permet en permanence de jouer sur sa ligne de fond et de distribuer le jeu avec des frappes plates sans jamais reculer, et je dirais que c'est peut-être là sa principale force. Elle ne repartira pas sans titre d'ailleurs, Martina Hingis, puisque hier, aux côtés de Mirjana Lučić, et vous avez pu suivre cette finale du double en direct sur notre antenne à Eurosport, en compagnie de Frédéric Viard et Bruno Cuaz, elle l'a emporté face à celle qui était tête de série numéro 1, Natasha Zvereva, la Biélorusse, associée à l'américaine Lindsay Davenport. Nouveau titre donc pour Martina Hingis, qui en l'occasion fait preuve d'un beau sens tactique sur le plan du double, d'un bon sens de la volée. Elle est efficace pratiquement sur tous ses coups, sur toutes ses volées, sur toutes ses frappes. Oui, c'est vrai, on a regardé ensemble le match hier, Hervé, et j'ai véritablement trouvé que Martina Hingis était celle, une fois de plus, qui jouait dans l'esprit du double, cette discipline, je veux dire, à la perfection. Elle était, Natalia Zvereva aussi le jouait plutôt bien, mais elle faisait toujours le coup juste, la balle dans les pieds, pas forcément frappée très très fort, mais qui poussait l'adversaire à effectuer une volée difficile pour enchaîner sur un lob dans la diagonale, toujours en permanence, le coup parfait. Vous avez aperçu la fiche d'identité de Conchita Martinez, voici Martina Hingis maintenant, donc 17 ans, 1m70, elle n'a probablement pas tout à fait terminé sa croissance, la jeune Suissesse, 12 titres et 75 victoires en 1997 pour 5 défaites simplement. Depuis le début de la saison 98, une défaite aussi pour Martina Hingis face à Venus Williams, que tout le monde attend au sommet avant la fin de cette saison 1998. Venus Williams qui s'est qualifiée, précisons-le, pour la finale du double mix. Madame Donna Butler sera l'arbitre de cette rencontre. Elle est en quelque sorte la Bruno Rebeu des arbitres féminines. Donna Butler, très respectée par les joueuses, alors que Martina Hingis et Conchita Martinez entament les 2 dernières minutes de leur échauffement. Sachez que la gagnante emportera, outre le trophée, un chèque de 2 500 000 francs environ. Nous en reparlerons un petit peu plus tard, du moins à la fin de cette finale. Et elle a battu 1 250 000 francs environ. Record d'affluence aussi en cette quinzaine des internationaux d'Australie. Tous les records ont été battus, notamment les records lors des sessions de nuit. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attractions avec
l'avènement de Patrick Rafter au plus haut niveau, deuxième mondial avant cet Open d'Australie, il risque de tomber d'un cran si Petr Korval l'emporte ici même face à Marcelo Rios demain. Mais tout cela, c'est encore très loin pour vous. Et puis, il y avait bien sûr Marc Philippoussis, et puis aussi le retour d'André Agassi. André Agassi, qui avait dû passer par des tournois Challenger afin de faire remonter son classement et de participer à cet Open d'Australie où, de toute façon, il aurait vraisemblablement bénéficié d'une wildcard, d'une invitation par les organisateurs s'il s'était retrouvé au-delà de la 130e place mondiale. Il était au-delà de la 100e avant le début de ce tournoi, mais André Agassi s'était une semaine auparavant qualifié pour la finale d'un tournoi battu par Marc Philippoussis. Agassi revenu en forme, il lui faudra simplement jouer un petit peu plus de compétition pour pouvoir de nouveau prétendre jouer un rôle important dans le tennis mondial. Retour aux femmes et en gros plan sur Martina Hingis, joueuse absolument exceptionnelle, probablement la plus forte sur le plan mental du circuit féminin. Oui, c'est vrai que elle a, malgré son jeune âge, une capacité de gérer les points importants, de résister face à la pression que lui impose ses adversaires. Il y a quand même une énorme attente de tous les gens, de tous les spectateurs ici présents. Mais je dirais, dans le monde entier, tout le monde un petit peu attend que Martina Hingis se fasse battre, parce que maintenant elle est vraiment incontestablement la numéro 1 mondiale. Et ben, elle résiste très bien à tout ça, elle est capable d'enchaîner, de jouer toujours son meilleur tennis match après match. C'est sa cinquième finale consécutive dans un tournoi du Grand Chelem, série entamée en janvier dernier en Australie. Vous avez aperçu sa maman qui est son entraîneur, Mélanie Molitor, et puis son sparring partner. Et puis bien sûr, nous attendons avec grande impatience le retour de Steffi Graf. Elle jouera a priori la semaine prochaine au tournoi de Tokyo. Début de cette finale au meilleur des trois manches, Hingis la première au service. Il y a une chose qui est quand même surprenante, Hervé, c'est que souvent Martina Hingis effectue ses amortis lorsqu'elle est en train d'effectuer une course, et à chaque fois ça marche. C'est un coup qu'on ne voit pas dans le tennis masculin, mais qu'on voit systématiquement chez Martina Hingis. Bah, elle a raison d'en profiter, cela dit. Je lui permets de gagner ses points. Mais apparemment la tactique de Conchita Martinez sera relativement simple. Variation d'effet, alternance entre les coups coupés et les balles liftées, en essayant bien évidemment de se retrouver en position idéale côté coup droit pour accélérer et déstabiliser la jeune Suissesse. Alors le voilà, le fameux coup droit décroisé qui a fait tant de mal à tous ses adversaires. L'amorti. Go!
Conchita Martinez qui a passé un petit peu plus de temps sur le cours depuis le début de cet Open d'Australie. 8h55 pour l'Espagnol, 6h32 pour la Suissesse. Sachez qu'elles ont laissé en route toutes les deux 2-7 à leurs adversaires depuis le début du tournoi, c'est finalement fort peu. Exact. Oui. Une nouvelle fois, Conchita Martinez qui tourne de manière très véloce autour de cette balle pour jouer ce coup droit. Il faudra être mobile tout au long de ce match si elle veut espérer pouvoir prendre le jeu comme cela, avec ce grand coup. Oui, balle de break pour Martinez. Tactiquement, le jeu est bien en place. Il faudra bien sûr qu'elle connaisse la réussite. Break réussi par Conchita Martinez. Elle mène 1-0 dans cette première manche. Bien sûr, le service qui n'a pas une importance excessive, elle n'est que relative dans le tennis féminin, surtout entre Martina Hingis et Conchita Martinez. Mais en tous les cas, un premier jeu fort bien négocié par la joueuse espagnole. Avec la licence carte neige de la FFS, vivez la passion du ski. Skieur acrobatique, nordique ou alpin, du loisir à la compétition, adhérez à l'un des 2000 clubs de la Fédération Française de Ski en prenant votre licence carte neige. Vivez le grand frisson de la compétition, bénéficiez de la vie associative des clubs et d'un encadrement de qualité, découvrez toutes les émotions du ski avec la licence carte neige. Pour tout renseignement, Minitel 3615, code FFS. Avec Hotbird, vous pouvez capter les chaînes du monde entier. Pour cela, il vous suffit tout simplement de pointer votre antenne vers les satellites Hotbird à 13 degrés est. Hotbird, toutes les couleurs de la télévision. Vous pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette Sensor XL? Ben oui. Alors essayez Sensor XL, un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Parce que seul Sensor XL possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow. Et deux lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Mmh. Relevez le challenge Sensor XL. S'il vous plaît. Nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Hey, rendez-moi mon Sensor XL. Hey, hey. Retrouvez l'Open d'Australie avec Singapore Airlines, Australia's most frequent visitor. 6 minutes de jeu, 1-0 Martinez, l'Espagnol au service. Habitué à jouer sur sa ligne de fond de court,
ou à l'intérieur du terrain, Martina Hingis, sur les grands coups droits liftés ou sur les revers liftés de son adversaire, devra décrocher vers l'arrière, Guy. Et oui, avec des balles liftées qui vont effectivement la repousser. En prenant la balle de manière précoce, elle prendra plus de risques et commettra probablement plus d'erreurs. Sur l'attaque. Et en tout cas, elle était, c'est vrai, très très près de la ligne. Elle a pris un gros risque, Martina Hingis, parce que ce coup droit n'était pas facile à jouer. Lucas a fait 3 balles de break en faveur de la Suissesse. C'est dommage, c'était bien joué de la part de Martinez pourtant. Elle a vu très tôt que ce coup pouvait être exploité en coup droit. En revanche, ça sort quelque peu. Et confirmant nos dires, eh bien, nouveau break et un jeu partout dans cette première manche. Premier reste pour Martina Hingis. Une volée pas très bien exécutée techniquement de la part de Martina. La tête de raquette étant quelque peu tombée au moment de l'impact.
jeu Martina Hingis. 12 minutes de jeu. Deux jeux à un, première manche, en faveur de la Suissesse. Certaines choses, il y a de bonnes surprises. Dans les PC scéniques équipés de processeurs Pentium 2, par exemple, il y a une interface infrarouge, un lecteur de carte à puce, des outils de communication RMIS et des outils optiques. PC Siemens Nixdorf. Manquait un petit pas là. Oui. Et le voilà, ce terrible coup droit auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, Hervé. Elle avait pris l'avantage du terrain et on l'a constaté sur cet échange là où les sœurs Williams pour monter au filet avancent systématiquement quelle que soit la qualité de la montée. Martina Hingis s'étant rendu compte que sa balle était courte, a redécroché vers l'arrière.
balle de break en faveur de la Suissesse. Bien distribuer le jeu. Revers coupé le long de la ligne, tombant à quelques centimètres à l'intérieur de la ligne, suivi coup droit, droit devant, une nouvelle fois juste à l'intérieur des limites du terrain. Et quelques signes d'agacement chez Inghis. Elle est coutumière du fait. La maman. Un petit peu inquiète. Elle a pourtant le cours tout ouvert, la Conchita Martinez. Oui, elle a pourtant plusieurs possibilités, soit le coup court croisé, soit ce dernier le long de la ligne, mais à ce moment-là, il fallait prendre une marge de sécurité bien plus importante, ce qui ne fut pas le cas. C'est superbe. Une nouvelle balle de break pour Inghis. Et là voilà, cette marge de sécurité nécessaire. Ça ne fait qu'une bonne attaque. Non. L'accélération est un peu longue. Break réussi par Inghis. Et avantage 3 jeux 1, première manche pour la Suissesse. Petite précision pour ce qui concerne les demi-finales junior-garçon. Sachez que le français Julien Jean-Pierre s'est qualifié au dépens du tchèque Vic en deux manches. 6-2, 6-3 pour le français. C'est Thierry Tulane, leur entraîneur, qui doit être ravi. Il l'était d'ailleurs, je vous le promets, Guy, mais vous le savez, Julien Jean-Pierre qui va disputer sa troisième finale de suite pour sa campagne australienne. Curieux tout de même de voir Martina Hingis manquer ses volets depuis le début du match. C'est vrai, pourtant elle est de manière générale excellente à la volée. Oh là là, c'est remarquable. Elle l'a très bien caché jusqu'au dernier moment. On ne savait pas quel coup elle allait jouer. Et pour déjouer le plan de Martinez, l'angle court croisé sera vraisemblablement important et un atout de plus dans le jeu d'Inghis. Conchita là qui commet un petit peu trop d'erreurs. Elle en est à 16 contre seulement 7 pour son adversaire. C'est bien fait de la part d'Inghis. Et pourtant, c'est des échanges qui font mal, mal aux jambes, aussi bien à l'une qu'à l'autre. Et c'est pour l'instant la Suissesse qui remporte
tous ces points, tous ces duels du fond du cours. Pas évident ce dernier revers, parce qu'elle est passée là où le filet est le plus haut. Mais toujours avec cette même marge de sécurité, 50 cm à l'intérieur du cours. Lucie dans toutes circonstances, Martina. En faveur de Martina Hingis, 22 minutes de jeu. Du monde entier ont rendez-vous à Lisbonne en 1998 pour découvrir les océans, un patrimoine pour le futur, thème de la dernière exposition mondiale du 20e siècle, à Lisbonne, Portugal. Expo 98, venez plonger dans le futur. De jeu, Martinez au service, avantage 4 jeux à 1, Hingis, première manche. Une fois, un mauvais jugement, pas très bien placé, un petit peu écroulé sur ce match, Martina. On va le revoir au ralenti. Allez, voilà les premières petites erreurs de Martina. Et c'était le premier point marqué par Conchita Martinez derrière sa deuxième balle de service. Jeu Martinez, 4 jeux à 2, première manche en faveur d'Hingis. La Suissesse au service pour le dernier jeu avec ses balles-ci. Thank you.
toujours trop de fautes de la part de l'Espagnol. Pourtant, elle joue bien le point. Elle fait travailler Martina Hingis, la pousse à faire des déplacements délicats. Le deuxième essai, court croisé. Pas très rapide, 137 km/h, mais suffisant. Je trouve tout à fait prodigieux dans le jeu d'Hingis, Guy, le fait que la Suissesse, sur les balles hautes liftées, parvienne à prendre la balle montante et à trouver une très grande profondeur de balle. Et oui, en commettant peu d'erreurs. C'est ça qui est remarquable. Jeu blanc pour Martina Hingis. 5 jeux à 2 premières manches en faveur de la Suissesse. 28 minutes de jeu. Et dans un instant, Martina Hingis aura l'occasion de prendre une nouvelle fois la mise en jeu de Conchita Martinez. Cette dernière servira néanmoins avec des balles neuves. Avec la licence carte-neige de la FFS, vivez la passion du ski. Skieur acrobatique, nordique ou alpin, adhérez à l'un des 2000 clubs de la fédération en prenant votre licence carte-neige. Pratiquement une demi-heure de jeu. Conchita Martinez au service avec des balles neuves. Elle est menée 5 jeux à 2 premières manches. Quatrième faute en coup droit pour Martina Hingis contre 13 à Conchita Martinez. Elle doit commencer à s'interroger, Conchita Martinez, sur la tactique adoptée. Un peu sur cette première balle.
eh bien, nous sommes heureux pour Conchita Martinez qu'elle ait pu remporter ce point, parce que l'attaque d'Ingis paraissait légèrement dans le couloir, du moins ce qu'avait cru l'Espagnol. Et pour les quelques incursions au filet, ce n'est pas très réussi de la part de Martina Hingis depuis le début du match. Cette dernière était difficile à exécuter pour la Suissesse. Oh, en contournant le filet. Quel angle trouvé par Hingis. Alors on va voir ce coup ralenti, j'imagine. Et cela fait une balle de première manche pour Hingis. Non. Et une nouvelle fois, Martina qui tente une amortie alors qu'elle est en bout de course et en défense. Bien joué. Une attaque que beaucoup de joueuses auraient joué longue dans la diagonale. Elle l'a jouée courte volontairement. Regardez, elle retient un peu son geste pour pousser l'Espagnol à effectuer une course oblique, très délicate. Pour une nouvelle balle de 7 en faveur de Martina Hingis. Et elle a raison, l'Espagnol, de continuer à insister sur le coup droit de la Suissesse. C'est quand même de ce côté-là qu'elle commet le plus d'erreurs, même si elle n'en est qu'à 5. Du filet pour relayer dans de bonnes conditions Hingis.
Piquet qui plus est. Deux balles de 7 écartées. Je Conchita Martinez, elle n'est plus menée que 5-3 première manche. Et l'on retrouve Martina Hingis au service pour le gain du 7. Voilà une de réussie de volée. L'attaque était remarquable. Et oui, elle la surprend, hein. C'est la deuxième fois là qu'elle a trois contre-pieds sur son coup droit. Martina était en plein replacement, prêt à couvrir un coup revers. De nouvelles balles de 7 à Martina Hingis. C'est fait, 40 minutes de jeu. Une première manche remportée 6 jeux à 3 par Martina Hingis. Première manche éminemment tactique, même si les échanges furent éprouvants. Et l'on peut dire, Guy, qu'en comparant en ce début de reportage, Martina Hingis, une joueuse d'échecs, on n'était pas loin de la vérité parce que les pions ont été avancés par la joueuse espagnole et systématiquement, tous ces pièges ont été déjoués par Martina Hingis qui finit toujours par trouver une solution sur le plan tactique pour prendre l'avantage sur son adversaire. With you. You can rely on it. It's super tough and will stand any hard conditions. It's tough. Tough like a real man. Well, son, it's for you now. Be a real man, like the M-Force. Something to be passed on to the next generation. M-Force, the real one. Orient Watch, Japan. Australie avec Singapore Airlines, Australia's most frequent visitor. 41 minutes de jeu. Conchita Martinez, la première au service dans cette deuxième manche. Avantage à Hingis 6-3. Jeu capital d'entrée pour la joueuse espagnole. N'était pas parfaite.
elle bénéficie d'un passing relativement moyen de Conchita Martinez pour terminer par une volée croisée. Lorsqu'elle était en difficulté, Conchita Martinez a joué un coup droit très haut lifté qui lui a permis non seulement de se replacer à l'intérieur du terrain, mais qui a gêné considérablement Martina Hingis, qui à son tour lui livrait une balle courte qu'elle a pu terminer avec ce superbe coup droit décroisé. Et après avoir formidablement dansé autour de la balle. Et oui, Conchita étant une grande danseuse. Oui. Alors on ne pourrait pas qualifier ce coup de volée, mais plutôt de coup droit avant le rebond. Pas forcément le bon coup à jouer tactiquement à cet instant de la rencontre. Avec un maximum de réussite pour Martinez, mais bien vu, car la balle d'Hingis serait retombée à l'intersection des deux lignes. Ce qui aurait permis à la Suissesse de revenir, de se replacer. Elle avait accéléré le jeu. Martinez, malheureusement pour elle, manque de réussite sur le dernier revers. Thank you.
toujours des gestes d'agacement. Et les voilà les erreurs qui lui auront coûté le premier set à Conchita Martinez. Souvent commises au mauvais moment. Je suis à peu près convaincu, Guy, que le sort de cette finale est en train de se jouer ici dans les 2-3 premiers jeux de cette deuxième manche. C'est fort possible. Elle mène souvent l'échange. Elle effectue de nombreuses courses, la Suissesse. Ce qui pourrait, peut-être un peu plus loin dans le match, la pousser à commettre quelques erreurs, peut-être par un petit peu de fatigue. Elle n'y arrive pas, hein. 3 balles de jeu en sa faveur, 3 erreurs, 3 fautes directes. De façon générale, elle n'est pas très convaincante sur les points très importants, sur les balles de break Conchita Martinez depuis le début de cette finale. Pour Ingis. Fabuleuse volonté tout de même chez la jeune Suissesse qui rentre systématiquement à l'intérieur de son terrain pour jouer les balles quasiment en demi-volée. En revers, elle y arrive mieux, c'est plus facile à deux mains de jouer à hauteur d'épaule. En revanche, en coup droit, c'est beaucoup plus délicat. Martinez qui a voulu jouer le contre-pied. Cette approche coupée. Malheureusement pour elle, Ingis avait très bien anticipé.
Il a fait un petit enchaînement service volé sur une première à 118. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Cela dit, le retour était remarquable. Posé dans les pieds. Eh bien, voilà mon tas contre-temps. C'est bien de ne pas l'oublier de temps en temps pour Conchita Martinez. Bien que cette dernière volée ne soit pas très incisive. Oui, deux balles de break pour l'Espagnol. Splendide, splendide de la part de Conchita Martinez. Martina Hingis qui reste à l'ombre là-bas, dans le coin du cours. Je suis persuadé qu'elle est peut-être un petit peu fatiguée. C'est la première fois depuis le début de ce tournoi qu'elle doit vraiment se battre sur toutes les balles. Dommage, mais enfin Martinez est en train de reprendre des couleurs. C'est vrai qu'après avoir gagné Wimbledon, pourquoi pas l'Australie. La surface est de couleur verte, tout comme pour le gazon elle aime cela. Même lors de son match contre Kournikova, qui était un match disputé pourtant, Kournikova jouait des coups détachés, des coups gagnants, des fautes, mais c'était physiquement beaucoup moins intense que celui-là. Un match parce qu'elle était plus forte physiquement, elle les gagne parce qu'elle est bien meilleure tacticienne, bien meilleure techniquement que ses adversaires, mais elle les gagne jamais à la bagarre. Et bien voilà, couleur retrouvée pour Conchita Martinez qui mène désormais 2-1 dans cette deuxième manche, partie commencée depuis 57 minutes. Un carton. Encore un carton. Encore un carton. Dans certaines choses, il y a de bonnes surprises. Dans les PC scéniques équipés de processeurs Pentium 2, par exemple, il y a une interface infrarouge, un lecteur de carte à puce, des outils de communication RMIS et des... PC Siemens Nixdorf.
Johnson, award-winning architect. It gives you a feeling of comfort to be able to use the limousine. Kavita Chowdhury, award-winning filmmaker. It was nice to be in your seat, doing your work while you're traveling. And Kalfan Harum, award-winning sportsman. I watch a lot of movies, sports programs too. On Emirates, the award-winning airline. Qui appelle-t-on le Kaiser? Franz Beckenbauer, Pete Sampras, Michael Stich. Vous connaissez la réponse, appelez vite. Chaque semaine, gagnez une console de jeu. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également gagner des t-shirts Eurosport. Bonne chance. Le juste milieu, le raisonnable, la sagesse, ils ne savent pas ce que c'est. La vie n'a de sens pour eux que si elle est poussée à l'extrême. Ces divins se retrouvent pour leur jeu d'hiver. Attention à la casse. Les Winter X Games au Colorado, ce soir 20h heure française sur Eurosport. Ils sont de retour, bravant les intempéries, se moquant des vents contraires, oubliant le froid et la neige. Les stars de la piste, les dieux du stade nous attendent au chaud. Le meeting indoor Odoza d'athlétisme à Moscou, aujourd'hui 15h heure française, en direct sur Eurosport. Cette extraordinaire centrale de Melbourne Park avec son toit. Il garantit pour le moins la poursuite des rencontres pour la télévision. Cela ne fait pas de mal. 6-3 Hingis, 2-1 Martinez, la Suissesse au service. Elle est punie pour n'avoir pas su voler dans de bonnes conditions. Oui, un revers beaucoup trop court de la part de l'Espagnol. C'était presque une imposture que ce point soit gagné par Martin Hingis. Tant l'Espagnol avait dirigé et construit ce point.
assurément le point du match au bord de l'épuisement. Conchita Martinez, quelle défense héroïque, quel professionnalisme et quel respect pour le sport pratiqué. Inguis, épuisée elle aussi. Et c'est curieux parce que c'est pas elle qui a quand même couru. D'effort physique. Et où l'on s'aperçoit que Conchita Martinez, revenue à un bon niveau et très en forme sur le plan physique, là où Martina Hingis bat ses adversaires d'une toute autre façon et pas sur la condition physique. Parfait. Il doit être soulagé de gagner ce point en deux coups de raquette. Et non, elle rate. Quel point là encore. Et balle de break pour Martinez. Elle est plus habituée, Martina Hingis, à disputer tous les points comme cela. Alors c'est quand même pas mal qu'une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ou tous les 20 matchs. Et là, il y a un petit peu dans le rouge du compteur, Martina Hingis. Contrarié là, un petit peu vexé de se faire accrocher, madame. C'est ça le sport. Non, dommage, deux grosses fautes de Martinez en fin de jeu. Et après 1h04, une manche à zéro Hingis et deux jeux partout dans la deuxième manche. Il ne fait que 26 degrés. Les deux demoiselles jouent depuis seulement 1h04. Ce n'est quand même pas un marathon. Oui. Bien coupé la trajectoire, la Suissesse. Cela dit, Guy, je suis persuadé que dans la cuvette du central, il fait plus de 26 degrés. Ah oui, au soleil, de toute évidence. Cela dit, ces joueuses jouent souvent aux États-Unis, à l'US Open, à Indian Wells, par des chaleurs au moins aussi importantes. Et puis on peut dire d'ailleurs que les tournois du Grand Chelem sont les moins épuisants pour les joueuses, puisque là où elles jouent tous les jours des rencontres en 3-7 sur des semaines normales, là, elles ont un jour de repos et les rencontres se jouent toujours au meilleur des trois manches. C'est vrai, c'est important de le souligner. Car on a coutume de dire que les tournois du Grand Chelem sont les tournois très éprouvants pour les hommes. C'est vrai qu'en revanche, pour les femmes, ils sont quand même beaucoup plus faciles à gérer d'un point de vue physique, tout au moins. Un peu tôt, Martinez, trop d'informations données à l'adversaire. Et attention, attention à la panne d'essence.
côté espagnol. Conchita qui était loin derrière ta ligne de fond, qui a eu tout le temps de développer son grand coup droit afin de le coiffer et de le jouer le long de la ligne. Un bon choix tactique de jouer des revers très hauts, liftés sur le revers de Martin Hingis. On le rappelle, il est beaucoup plus facile pour un joueur ou une joueuse à deux mains de rabattre cette balle dans le court. Elle devrait à ce moment-là rentrer dans le terrain puisqu'elle est en position de force. Elle reste sur sa ligne et se fait surprendre par une amortie de défense, je dirais. Qui était une amortie de défense puisque Martina Hingis n'avait pas pu jouer un autre coup. Et oui, ce qui prouve que c'est un mauvais jeu de position de la part de l'Espagnol, tout simplement. Je suis tout de même un petit peu étonné qu'Hingis ne parvienne pas à faire plus de choses sur la deuxième de Martinez qui n'est pas très longue, pas très rapide non plus aujourd'hui, aux alentours de 100 km/h pour une deuxième balle. C'est faible. Effectivement, ce n'est pas monstrueux. Carré Lourpi à l'écran, le coach de Conchita Martinez. Là,
là il y a au moins un retour joué pour faire mal au serveur. Elle a tenté sur la deuxième adverse, mais sans grande réussite. Et jeu pour Conchita Martinez, l'Espagnole n'étant plus menée que 4-3 dans cette deuxième manche et demandant à quitter le court quelques instants. Qui appelle-t-on le Kaiser ? Franz Beckenbauer, Pete Sampras, Michael Stich. Vous connaissez la réponse, appelez vite. Chaque semaine, gagnez une console de jeu. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également gagner des t-shirts Eurosport. Bonne chance. Infos, commentaires, analyses, passion, action, émotion, les buts, les occasions manquées, les arrêts réussis. Eurogolf, lundi 23h heure française sur Eurosport. Inguis au service, elle mène 6-3-4-3 et sert avec des balles neuves. Malheureusement pour elle, une balle qui n'était pas assez plongeante, qui est passée bien trop au-dessus du filet. Parfait. Nouvelle fois, balle haute, effectuée sur le meilleur coup de Martina Hingis, le long de la ligne qui plus est. Nouvelle petite faute tactique pour Martinez. Qu'il est beau ce service de précision, 144 km/h, l'un des services finalement les plus rapides d'Inguis depuis le début de cette rencontre, le plus rapide étant chronométré à 150 km/h, et cela fait 5 jeux à 3 pour la Suissesse dans cette deuxième manche. Inguis menant par ailleurs un 7-0, 1h20 de jeu. L'Espagnol au service pour tenter de survivre dans cette rencontre. Voilà.
dommage qu'il n'ait pas pu exploiter la première balle courte en coup droit de la part de Martin Hingis. L'Espagnol avait là une bonne opportunité de tuer le point. Et non. Elle manque le plus facile, Martina Hingis, ce lob. Elle avait de la place à droite, à gauche, au-dessus. Elle choisit de jouer la raquette. C'est pas ce qu'elle souhaitait, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et c'est ça que vous réclamez depuis le début de la partie, Guy. Oui, je souhaiterais la voir jouer plus souvent, comme cela, pour notre plus grand plaisir et celui, je l'imagine, de tous les téléspectateurs. Orienter de temps en temps plus le jeu sur le coup droit d'Hingis pour la déplacer ensuite de l'autre côté. Obliger la Suisse à travailler physiquement sur chaque balle, à effectuer des courses difficiles. Au revoir. Et voilà. Et oui, là, elle utilise toute la géométrie du terrain, mais elle ne se cantonne pas uniquement au côté revers de la Suissesse. Oui. Il a bien joué de la part de la Suissesse. Superbe. 14-7. Bien sûr, balle courte adverse. Et côté revers, Hingis. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu gourmande, là. En plus, elle n'a pas vraiment frappé ce smash. Il y a deux possibilités. Soit elle décide de le remettre en jeu. À ce moment-là, elle fait un smash à effet au milieu du court. Soit vraiment, elle tente sa chance. Et alors là, elle met la gomme. Alors que là, c'est un mélange des deux. Et ça veut dire que Martina Hingis est désormais à deux points du match. Pour Martina Hingis. Difficile d'accélérer sur ce type de balle. Il a fallu la prendre un poil plus tôt. Elle l'a pris un petit peu au-dessus de l'épaule. C'est un délicat, bien contrôlé.
final pour Martina Hingis, score 6-3, 6-3. Victoire méritée pour la Suissesse qui devient donc la plus jeune joueuse de tous les temps à remporter deux fois consécutivement le même tournoi du Grand Chelem. Elle était la tenante du titre, elle l'avait emporté face à Marie Pierce 6-2, 6-2 l'année dernière. Cette année 6-3, 6-3, bien lasse au centre du court, elle va se diriger vers sa maman et vers Mirjana Lučić, apparemment totalement épuisée, Martina Hingis. Deux jeunes filles qui sont allées au bout d'elles-mêmes au cours de ce match. Nouvelle victoire, la quatrième pour Martina Hingis qui salue maintenant tout son clan. Elle n'a que 17 ans. Et puis un dernier salut à l'ami de sa maman. Voilà Martina Hingis de nouveau gagnante. 4 victoires en Grand Chelem à 17 ans. Elle est heureuse même si ce n'est pas la joie de l'année dernière, la joie de la première victoire en tournoi de Grand Chelem. Toujours est-il qu'elle est en train de se fabriquer un palmarès tout à fait impressionnant. 5 qualifications pour des finales de Grand Chelem consécutivement. Steffi Graf est la recordman ou la recordwoman absolue dans ce domaine, puisque l'Allemande est parvenue 13 fois consécutivement en finale de tournoi du Grand Chelem. Ce sera difficile à égaler, encore que rien ne soit impossible à Martina Hingis, dont on a pu une fois encore, Guy, approuver les qualités au cours de cette finale. Et oui, une finale où elle a montré quelques signes de faiblesse pour la première fois depuis longtemps, je dirais. On a entrevu les possibilités que pouvaient avoir ses adversaires si, dans un futur proche ou lointain, celle-ci voudrait taquiner la numéro 1 mondiale. Alors vous avez fait allusion à Steffi Graf. Moi, je souhaite de tout cœur revoir Steffi au tout premier plan pour justement, lors de parties comme celle-là, effectuées en pleine chaleur, faire travailler Martina Hingis et peut-être contester, je dirais, cette suprématie. Une belle athlète, même si ce n'est pas encore une athlète exceptionnelle, Martina Hingis, mais elle paraît avoir récupéré d'ores et déjà, alors que la finale s'est achevée il y a environ 7 minutes. Et bien sûr, Martina Hingis confirme en cette occasion sa place de numéro 1 mondial. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests and all of you tennis fans, before we go any further, let's put our hands together for Martina Hingis. Ovation dans le stade. Sensational back-to-back wins. We also welcome the President of Tennis Australia, Mr. Jeff Pollard, who's going to officiate in the presentations. But firstly, I'll call upon Mr. David Morgan, the President of the Ford Motor Company. They've been fantastic sponsors now for a long, long time. Il va y avoir M. David Morgan qui va parler durant quelques instants. Il est le sponsor de cette Open d'Australie depuis bien des années. Le speaker a même précisé qu'il était le sponsor fantastique de ce tournoi de Melbourne. Puis il y aura quelques mots de M. Jeff Pollard, président de la Fédération australienne de tennis. Apparemment, M. Brian Tobin, australien lui aussi, qui est président de la Fédération internationale, ne se représentera pas, ce qui laisse la place à toutes les combines possibles en politique pour essayer de succéder au président de la Fédération internationale. Souhaitons en tous les cas que celui qui sera désigné, le suivant, sera à même de retrouver la voie tracée par Philippe Châtrier il y a de cela quelques années. Rigueur, sérieux, ne pas laisser succomber le jeu à l'argent. Respecter l'éthique en tout moment et travailler avec l'association des tennismen professionnels dans le meilleur esprit, puisque les joueurs ont choisi de faire confiance en leurs dirigeants, ceux qu'ils ont désignés pour l'avenir du tennis. Souhaitons donc que les querelles cessent définitivement entre la Fédération internationale
et l'association des tennismen professionnels. Je pense que vous partagez ce point de vue, Guy. Vous l'avez remarquablement bien dit, Hervé. And I think that shows that women's tennis continues to grow and continues to become a very important part of the tennis scene in Australia. I'd like to first of all congratulate Conchita for making the final. Voilà, M. Morgan, qui bien sûr félicite Conchita en premier. The play through the tournament has been tremendous, and I think today we just found that trying to beat Martina on a day like today was very difficult. But Conchita, a tremendous game. And finally, I'd like to congratulate Martina for defending her title so successfully this year. Again, she's entertained us through the 2 weeks. I know we've all enjoyed watching her and supporting you through that time. Et félicitations à Martina Hingis, qui a été la meilleure sur l'ensemble de ces deux semaines. Et que tout le monde aura été heureux de revoir ici. And firstly, I'm sure you'll give her a warm round of applause once again. Our runner-up to this year's championship, Conchita Martinez. Conchita Martinez, qui est appelée la première dans la tribune officielle. Quelques petites marches à gravir. Elle recevra le plateau d'argent réservé aux finalistes. From Mr. David Morgan and the trophy from Jeff Pollard. Monsieur Morgan et Monsieur Pollard, président de la Fédération australienne de tennis, qui remettent ce trophée à Conchita Martinez, qui va dire quelques mots. Well, first of all, I would like to express how happy I am to be in this final today and be a part of this day. La joie qu'elle a d'être ici en finale aujourd'hui. C'est un bon moyen de commencer l'année et elle espère pouvoir continuer comme cela. As we speak, I think in some part of the world, in San Diego, in my house, they're having a big party right now, watching me play. Alors pendant qu'elle joue, il y a une partie de sa famille à San Diego, là où ses amis et sa famille doivent vivre, qui ont une grosse fête. Alors elle les salue au passage. I would like to give a special thanks to my coach, Gavin. Thanks for all the support. Et un grand remerciement à son coach, Gabriel Urpi, et qui est responsable de son succès, tout au moins jusqu'en finale. Son manager, Phil. Thank you very much to all the crowd for supporting. Et merci beaucoup à tous les spectateurs d'être venus si nombreux. I can't wait to come back here next year. Et congratulations, Martina, of course. Elle a hâte de revenir ici pour retrouver tout ce soutien. Elle s'est rappelée au dernier moment qu'elle avait été battue par Martina Hingis et donc elle a dit en premier, je voudrais féliciter Martina. Martina Hingis qui va être appelée. And now, ladies and gentlemen, our champion again, successfully defending her title, make welcome Martina Hingis. Ovation pour la jeune Suissesse. En marche pour battre beaucoup de records. And now, ladies and gentlemen, the youngest player to successfully defend her title, taking over from Monica Seles. Et évidemment, Monica Seles, qui était la plus jeune joueuse à avoir remporté consécutivement à deux reprises le même tournoi du Grand Chelem, est désormais dépassée par Martina Hingis pour... Martina Hingis. Disons grosso modo 2 mois, et Martina Hingis qui peut soulever ce trophée qu'elle conservera donc, non pas celui-ci mais une réplique qui lui sera remise à l'issue de ce tournoi. C'est une joie, mais une joie contenue dans le camp de la Suissesse. Et les quelques mots de la championne. Yeah, first of all, I would like to say a big thank you to the crowd. You've been the best to me and all around the world, and I would like to say a big thank you for that first. Thank you. Merci. Au public, en disant qu'il était le meilleur du monde, qu'elle n'ait jamais rencontré. Elle n'est pas maladroite, Martina. Congratulate Conchita for making another final. Félicite Conchita pour son titre à Wimbledon en 1994 et aussi d'avoir atteint ce stade du tournoi.
And then my mom would promise me before the match, if I would win, she wouldn't jump down again and get hurt. Et sa maman qui avait dit que si Martina allait gagner, sa maman ne sauterait pas sur le terrain comme l'année précédente, elle l'a fait. Sa partenaire de double, Mirjana Lukic. So let me tell you one thing, to defend a title is much harder than, you know, coming here for the first time. Nobody would really expect me last year to win this great Grand Slam title, and you know, there's so much pressure. Personne ne l'attendait l'année dernière à gagner ce tournoi, elle l'a fait. En revanche, elle, c'était beaucoup plus difficile. I have continued to do this time again, also singles and doubles. Thank you very much. Et c'était très difficile pour elle de reconquérir ce titre en simple et en double. Un dernier merci à Martina Hingis qui remporte donc. Et puis un grand remerciement à Paul McNamee qui est le directeur de ce tournoi. Remerciement aussi aux sponsors. Voilà pour les premiers mots de Martina Hingis à l'issue de cette finale remportée en 1h26 minutes. 6-3-6-3, ce ne fut pas une finale exceptionnelle sur le plan de la qualité du jeu. Finale infiniment tactique, éprouvante pour les deux joueuses et logiquement remportée par Martina Hingis, plus solide sur le plan mental que son adversaire. Et oui, elle a commis moins d'erreurs, elle a fait un peu plus de coups gagnants et je pense que c'était là la clé du match. Martina jouait bien tactiquement, on aurait pu assister à une grande, grande finale. Tous les ingrédients étaient là, justement, pour nous permettre d'assister à une bataille farouche. Et une nouvelle fois,